eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Qui est posé, une touch de chaque côté, deux touches qui d'avance pour les Fnatic pour l'instant. Ah, c'est une boucherie, heureusement que les VP se sont un peu mieux repris. Et pour l'instant, c'est égalité complète, 3v3. Les touches se sont vraiment équipés. Oh, alors, quel fail de la part de Flecha. Et 2v3 Spock. Ouais, 2v3, et ça sent bon pour les VP là qui ont vraiment voilà une touch d'avance. L'attention, Flecha qui va jouer le 1 contre 1 face à Bialy. Et non, maintenant il n'y a pas chat qui va lui courir dessus. Ça c'est bien joué parce qu'il faut une revenge. Pour Nax qui arrivait par derrière, hop, il se fait cutter en sautant. Et ben voilà, c'est du 3 contre 1. Les Virtus Pro vont commencer sur ce hard side. C'est sûr et certain. Si, si. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'il peut les prendre un par un, Spock. Ils sont de l'OHP. Il se fait encercler là, il se fait encercler. Voilà, il se fait tuer par Néo. Tout à l'heure, c'était exactement ça. Et en fait, le joueur en 1v3 a fait un 1v3, Spock. Okay. Ils sont venus un par un. Bim, 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 terminé, 4 remportés. Eh bien écoute, les Fnatic, comme tu l'as prédit, vont commencer en terreau. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les VP Spock, parce que c'est vrai que face aux Fnatic, ils sont très très bons à l'Europe comme Wolfmaster et Jasper, ça aurait été très dur de commencer terreau. Et là, le cut est lancé, 5 Kevlar côté Fnatic, comme OGR sur Mirage. Il la joue vraiment bourrin, les Suédois. Ben si ça a marché, ouais, après il faut voir ce qu'ils font, parce que là maintenant ils vont tomber face à une équipe qui est quand même plus forte que eux, donc bon, on voit que ça temporise. Ça prend vraiment le petit mid, pourquoi pas ben voilà, faire une redirection en 3-2 Fnatic comme on les connaît, mais bon pour l'instant voilà, ils veulent pas se donner, ils veulent voir un petit peu où se trouvent les VP. Ça va jouer au skill c'est sûr, mais les VP aussi ont énormément de stuff, donc va falloir faire attention. Bah en tout cas les VP je pense qu'ils sont plutôt dans la pour l'instant dans le gros contrôle. Je suis étonné de voir la position de Taspok qui regarde votre cul alors que Pacha a déjà une position votre cul. Taz va venir maintenant. C'est pour backup très rapidement. Après, les deux équipes se connaissent parfaitement. Et je pense que Taz, c'est bien que ça va jouer au niveau de ce BPA. C'est pour ça qu'il prend un petit peu l'information et qu'il reste au niveau de ce spawn CT. Surtout que quand tu vois bien, Néo a la visu complète sur la banane. Donc derrière, il sait très bien que pour l'instant, ça va pas passer au niveau de ce BPV. Ouais, Néo prend beaucoup de risques hein, parce qu'il avait une grosse visu. Heureusement, il était raté un peu. Oh, Néo qui calme tout de suite Jasper. C'est du 5v4 maintenant. Les Fnatic, je trouve qu'il manque un peu d'inspiration là. C'est sûr qu'avec 5 Kevlar, tu peux pas beaucoup avoir d'imagination, mais là, ils font des strats un peu téléphonés. Ils vont tenter de passer en mode bourrin, mais ça marchait face au Epsilon parce qu'ils se donnaient Spock. Et là, ça marche pas face au VP parce que c'est pas les mêmes grades, pas le même joueur, pas le même jeu. Ouais, surtout que c'est un ace là. Un ace pour les Fnatic, les Kevlar qui n'ont servi à rien du tout. Bah, bien joué de la part des VP qui vont voilà gagner beaucoup d'argent sur ce round. Et c'est bien joué de pas perdre de voilà de stuff ou de Kevlar pour ceux qui avaient pris des Kevlar. Maintenant un petit peu bizarre, ça prend des MP7 chez Pacha et chez Néo. Un petit peu confiant je trouve les deux joueurs. Bon, on va voir si c'est worth it ou pas. Ouais, les PM qui sont de moins en moins sur CSGO, beaucoup sur CS, c'est beaucoup moins sur CSGO à cause du Force Buy et CS Kevlar casque. Mais heureusement les Fnatic n'ont pas Force Buy. Et là c'est une boucherie pour l'instant qui est faite par les VP. 5v1, 4v1 pardon, ils ont perdu Snax dans cet appartement. Et Krims fait un très bon double kill. Il est tombé deux armes à lui tout seul sur une écho, c'est pas dégueu. Ouais bon, ils ont réussi à récupérer un FAMAS quand même, voilà, à lâcher un MP7 et à récupérer un FAMAS, donc bon voilà, c'est pas très très grave. Il y a un MP7 qui est parti et là c'est Pacha qui achète directement, voilà, une M4 silencieuse. Il a droppé le FAMAS à l'un de ses mates tout simplement. Voilà, bah écoute, en tout cas, les VP ont rentabilisé avec ce PM. Ils auraient encore plus rentabilisé, je pense, au Max 7, hein, qui est une arme très sympa et en termes d'argent, 900$, je crois, par kill, donc quand même cool. Et là, les Fnatic font une Fnatic, une 3-2 Fnatic, comme à l'ancienne. Et c'est pour l'instant les VP qui font le travail. Mais très, les très poules, mais c'est tellement horrible ces poules. C'est. Moi, je trouve que. Ça gâche un petit peu le jeu parce que tu crois vraiment que c'est un joueur et tu te fais spot par une poule. C'est comment ça? C'est horrible. Ben là, il y en a un qui a tiré en fait au niveau de l'appartement, un des joueurs des Fnatic. Il croyait que c'était un joueur et en fait c'est une poule qui montait dans l'appartement. Ouais, enfin ça ressemble pas vraiment à une poule. Bah écoute, quand t'es loin et quand
voilà, enfin, c'est des réflexes. Après, tu vois un truc bouger, ouais, tu dis sûr. C'est un antiterroriste, quoi. Et... Non, mais clairement, elles servent à rien, les poules sur Inferno. J'ai jamais compris pourquoi ils ont mis des poules. C'est un grand débat qu'on aura. Je pense qu'on va ouvrir un forum poule.com. Ouais, parce que là, y a... c'est dommage. Les Fnatic ont bien contré l'agression des VP en banane avec du très bon stuff. La smoke n'a pas pu être placée par les Polonais. Et les Fnatic peuvent contrôler cette banane tranquillement, à l'image d'ailleurs de Flecha. Ils repartent quand même en A, ils sont 3-4 à contrôler ce VPA face à Bialy et Snax dans l'appartement. Et pour l'instant, c'est pas encore passé. Ouais, la stat, c'est tendu. Bah écoute, ça a l'air de jouer beaucoup trop l'appartement là chez les Fnatic alors que ça passe pas. Et c'est vrai que voilà, ils se sont fait un petit peu défoncer juste avant. Et là, ils rejouent l'appartement. Alors attention, Flecha qui essaie de prendre le kill sur Pacha, mais non. Pacha encore 40 HP. Attention, peut-être une petite strat des Fnatic là. On voit Jesper se mettre en position pour mettre une smoke. Ils sont encore full stuff les Fnatic, donc voilà, il faut pas se donner. Enfin, je veux dire full stuff. Ils ont encore 5 smokes, donc il va falloir jouer au niveau de ce VPA. Alors attention, je vais peut-être me mettre sur Bialy. Les smokes pour la vodka est faite. Ouais, ça y est, ça va prendre la vodka, ça va pouvoir poser dans la smoke. Oh, mais attention, Pacha. Ouais. Pacha, regarde quoi, tu travailles avec Stax. Non, ça peut pas planter trop fort les VP sur Inferno pour l'instant. Les smokes étaient pas terribles quand même. Oh là, Wolfmaster. Oh, triple kill. Oh là, c'est énorme ce qu'ils viennent leur mettre, Spock. Oh, l'off triplé de Wolfmaster, l'ancien joueur de LGB. Qui fait le travail. Et d'ailleurs, on voit vraiment au scoreboard. Hein, premier, les deux anciens LGB, hein, Wolfmaster et Crims. Troisième, Jasper 1-4. Flecha 0-4 et Pronax 0-4. Côté VP, c'est Stax qui est devant un QI kill 5 pour Pacha, donc les joueurs du A. Et Neo n'était jamais mort en B, donc 1-0 tranquille. Pareil pour Taz 3-1 et Bialy 3-2. Ah ouais, mince, désolé, j'avais pas fait le tab. Bon, bah, vous le voyez maintenant. Bah, qu'est-ce que tu disais ? Non, j'étais en train de lire le chat. Il y en a un qui dit je réserve le nom de domaine pool.com. Bah écoute, fais ton plaisir. Non, c'est bien. Bon, allez, là c'est reparti. Donc là, c'est ronde d'économie pour les Fnatic. Donc voilà, ça va être. Assez normalement facile pour les VP, ils ont perdu qu'une seule arme pour l'instant et il reste Pronax. Ouh, attention, le tuju bas de Pronax qui va pouvoir récupérer une M4 silencieuse. Il va partir, mais il a pas vu Bialy arriver. Double kill de la part de. Attention, c'est du 2 contre 1 maintenant. Attention de pas trop se donner chez Pacha. Parce qu'autrement, ça pourra faire le 1 contre 1, surtout que Pronax, voilà, a récupéré une grenade, une molo. Ouais, je mets sur Taz, Taz. Taz sur Pronax, c'est très bien joué de la part des VP. VP. Mais bon, voilà, 3 armes de perdu hein, chez les Virtus Pro. Ça incite les joueurs à racheter. Et on voit hein, 950$ pour Bialy alors que c'est du 5-0. 450$ pour Snax. Ben écoute, voilà, heureusement qu'il y en a 3. Il n'y a pas Chan, Neo et Taz qui ont encore beaucoup d'argent. Ronde d'achat chez les Fnatic avec une AWP sur Jasper. Allez, il faut pas throw ce round et le remporter chez les Fnatic, autrement ça sera quand même une grande allée avec plein de statues chez les Virtus Pro. 5-0. Spock nous donne des nouvelles expressions tirées tout droit d'un film. Et en tout cas, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre avec John Woo, un classique. En tout cas, retour sur la rencontre entre les Suédois et les Polonais. Les VP sont en train de réaliser pour l'instant le début de cette parfait. Mais tu l'as dit, ce round est crucial, soit pour les Fnatic pour qu'ils reviennent à 5-1, peut-être pas 5-2 parce qu'ils pourront racheter après, en tout cas 5-1. En revanche, si les Fnatic le perdent, c'est une balle de break, ils seront en écho derrière et ce sera une balle de 7-0 pour les VP. Et là, l'addition commence à être je pense qu'ils vont force buy Alcalan. Ils sont à 2700-1900$ les Fnatic et ils pourront force buy. Là, c'est Olof qui fait la belle ouverture au niveau de cette vodka. Ça passe directement à vodka. Olof qui va essayer de partir maintenant au niveau de ce spawn. C'était double kill d'Olof et on fire Olof hein, ce soir. Ah, mais c'est une machine de guerre ce genre. Par contre, tu vois, ils ont pas vu Snax dans le dos des Virtus, des Fnatic. Par contre, il a la WAP donc il pourra pas faire un massacre. Oh là là, Crims. Et ben écoute, là, les VP se sont vraiment troués sur ce round. C'est passé partout et les Fnatic vont pouvoir tranquillement porter la bombe. Neo qui court un peu partout. Ah, il était smoké et puis voilà, il sort et il s'est fait atteindre par Jasper. Bah écoute, ça va être l'ace tout simplement pour les Fnatic, à part voilà, Bialy qui va économiser son arme. L'ace assez logique et très bien joué de la part des Fnatic qui se sont un petit peu donné les VP. C'était un petit peu trop facile au niveau de ce T et Olofmeister a vraiment fait un très très bon travail. Voilà, bah écoute, je pense que t'as bien résumé, Spock. Et pour l'instant, les Citizens perdent 4-0 face aux USSR.
Oh là là. Bien soirée pour les Français. Bialik qui arrive. C'est tombé Crims. Il a fait au moins un kill, Bialik, mais tu l'as dit, hein. Et Wolfmeister a fait une ouverture en mid tellement sale que derrière, ses potes ont juste eu à conclure le travail. Round d'achat DVP avec, on va dire... Oh, quand même, il y a du stuff, j'ai rien dit. Il y a du stuff. C'est un beau round d'achat des Polonais qui ont mis 5-0. Donc ils sont assez bien économiquement. Les Fnatic sont en train de mettre beaucoup d'argent de côté, ils pourront racheter au prochain round, c'est sûr. Donc les VP ont encore tout à refaire pour rebriser le cycle économique. Ouais. Et attention, petit coup de cut sur Taz. Ouais, bon, il a perdu que 13 HP, c'est pas très grave, mais bon, c'est vrai que c'est une balle de Glock quand même, donc ça peut faire la différence à la fin. Bon, quoi qu'il se passe, c'est vrai que là, les Fnatic nous ont montré quelque chose. Alors, c'est peut-être le T qu'il va falloir ouvrir avec, voilà, laisser libre Hall of Meister pour essayer de faire des décals au niveau de cette vote Q, de cette vodka. Et là, il a décidé de prendre l'appartement, Olof. C'est peut-être pas une bonne idée, surtout que, bah voilà, hein, il était très bien au niveau de ce mid. Il faut y rester. Ouais, ça va jouer encore le A, hein. Flechat qui fake un petit peu le BPB, il y a une smoke pour l'instant. Ça joue en reculé. Ils ont compris que les Virtus Pro, que voilà, ils se sont fait décaler un petit peu bêtement. Oh la mollo qui est énorme de Pronax. Terminé. Ça c'est fait. Et c'est du 5v4. Et Pronax qui s'est fait prendre son propre piège à jouer reculé. Une mollo terminée. Taz encore mollo qui a tenté de traverser sur Jasper. Oh la Taz qui a failli se faire punir. Oh la part de Sudo qui a raté un truc de fou. Oh Fester qui prend Bialy. Oh les VP sont en train de craquer, Spock totalement. Effectivement, bah écoute, les Fnatic, je pense qu'ils ont trouvé la faille, hein. C'est vraiment prendre ce middle. C'est vrai que voilà, ça, les Virtus Pro n'arrivent pas à tenir ce middle, soit ils se font décaler, ou soit ils jouent en reculé, mais se font rusher dessus. Donc pour l'instant, c'est bien joué de la part des Fnatic, il faut continuer comme ça, attention, Neo qui fait un double kill, c'est du 1 contre 3, mais bon voilà, ça... Ça va aller le SIC parce qu'ils savent très bien les Fnatic que les VP derrière seront en économie. Ils sont à un niveau de jeu les Fnatic depuis la nouvelle recrue. Enfin, les nouvelles recrues Crims et Wolfmeister. Incroyable. Ils sont vraiment très très forts. Ils ont même pas de jeu, hein. Je veux dire, il n'y a pas strat, il n'y a rien. C'est je cours et je mets des têtes. Et ça marche parfaitement parce que les VP, eux, bah, ils n'y arrivent pas. Et économie totale côté polonais. Effectivement, voilà, hein, ça va économiser, mais ça va donner le 5-3 pour les Fnatic. Oh, quoi qu'attention, hein. Il y a quand même du CZ et du P250. Et on sait que les VP, il faut pas être naïf, ça peut vraiment faire la différence à un CZ. Et pourquoi pas, voilà, surtout prendre des positions en avancée, c'est dommage, il l'a fait un petit peu en retard, le joueur des. Et voilà, Snax et Bialy qui font le travail. Voilà, rien n'est perdu hein, pour les VP, même en économie. Et pour l'instant, il nous le montre, c'est du 5 contre 3. Et deux armes de récupérer, deux AK-47, donc attention. Ah, dommage qu'il s'est pas pris de Kevlar, Spock. Ça aurait pu passer. Là, malgré tout, Flushage, j'espère, et Pronax sont encore avantage par le fait qu'ils ont un Kevlar casque et du stuff. TVP, on a fait le choix de vraiment juste prendre CZ. Et je sais pas si ça va être payant parce que ça peut très très vite tomber. Des joueurs, même en AK sans Kevlar, la précision est très moindre. C'est affaibli. Et en plus de ça, il y a un AOP sur Jasper. Ça joue encore le A, ils sont 3 en B les VP, le all-in qui ne passe pas. La prise d'info qui a été faite, c'est la backup maintenant. C'est du 3v2 en A si les Fnatic rushent maintenant avant le backup des VP. Ouais, ça va être trop tard, ça va être trop tard. Neo a vraiment l'information là au niveau de ce middle maintenant qu'il n'y a personne. Enfin, au niveau de cette banane et le petit kill facile de la part de Pacha. Et regarde l'économie qui va être prise par les VP, que c'est magnifique. Ça va récupérer peut-être 3 armes, une AK-47 de récupérer maintenant. Et, ah oh, attention, j'espère, et qui se fait calmer maintenant. Bah écoute, bien joué de la part des VP, qui sont en économie avec un CZ, et qui font le travail, qui récupèrent deux AK-47 et une AWAP. Plutôt très très bon écho de la part des VP. Ouais, et bah c'est parfait. C'est incroyable même d'ailleurs ce que font les VP. 6-2. Ils prennent deux rounds autoroute, et ils sortent une écho de nulle part, Spock, juste avec un CZ sans Kevlar. Et les Fnatic ont été un petit peu surpris par l'agression des VP qui jouent reculé depuis le début. Ça, c'est une bonne idée de la part des Virtus Pro de changer de rythme en défense. C'est possible hein, de changer en défense quand on attaque mes amis, même en CT vous pouvez faire une petite agression. Mais attention à pas confondre agression et donation de corps. Donc il faut que ce soit calculé et très bien maîtrisé côté CT pour ordonner un changement de rythme. Effectivement, bon, le changement de rythme, ouais, non, ils l'ont pas encore fait les Fnatic, c'est vrai qu'ils ont pas trop rushé, à part quand ils étaient en économie, mais normalement ça compte pas ça.
Parce que l'écho, voilà, c'est soit on se donne, soit on essaie de faire des petits kills et poser la bombe. Ça dépend des endroits. Là, la smoke est bien positionnée, mais c'est dommage, ils en ont pas profité les Fnatic. Et derrière, voilà, ils se sont fait revenge par une autre smoke. Et maintenant, ils sont bloqués, tout simplement, dans la banane. Un petit peu bête de mettre une smoke au niveau de ce spawn CT là, de Pronax, ce que Pronax a fait, et derrière de ne pas rusher. Maintenant, ça redirige au niveau de ce mid. Pacha qui a une micro ligne au niveau de cette vodka depuis l'arche. Est-ce que ça va valoir le coup? Attention, c'est parti, ça rush au niveau de cette vodka et peut-être l'ouverture de Pronax. Là. Oui, c'est fait, la revenge de Bialy. Double kill. Non, pas. Fail de Bialy monstrueux sur Olof, j'espère sur un Pacha naïf, et regarde Spock, les Fnatic passent encore. Voilà, Bialy, ouais. Vraiment pas dans son match là, hein. Il a raté un appartement. Heureusement que Jasper rate Ptaz, sinon c'est terminé sur ce round. On peut y croire encore, même si ça sera très compliqué parce que Neo n'a pas vu le terreau dans le KGB. Il y a deux terreaux appartements qui vont arriver dans le dos de Neo, tranquillement. Ouais, attention, il a 7 HP Olof. Et je crois qu'il a pas vu en plus. Bam, allez. Premier kill d'Olof. La revenge de Neo, c'est du 1 contre 2. Il va le jouer Neo, mais il n'a plus le temps. Et voilà. Ouais, il tourne autour de la bombe, je crois qu'il l'a pas vu quand il est rentré sur DP. Effectivement. 6-3 en faveur des VP, mais un gros round de force buy à venir. Je pense que Bialy et Taz seront au gun. Voilà, 5-7 sur Taz. Et qui va nous prendre Bialy. Et bien 5-7 également. Donc, ce sera un round assez compliqué pour les VP. Les Fnatic tranquillement remontent le scoreboard. Ça a marché en économie, alors il faut que les Virtus Pro voilà, se disent bon, alors qu'est-ce qu'on a fait en écho? On a rushé, on a agressé un petit peu l'appartement parce qu'on sait que les Fnatic aiment bien jouer l'appartement. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et là, ils sont deux au niveau de cette vodka. Je sais pas si tu te rappelles, je sais plus quelle équipe a décidé de prendre la vodka à 3 et se sont fait complètement punir par l'appartement. C'était les LDLC. Ouais, mais attention, effectivement, c'était les LDLC. Attention au VP de pas voilà se faire prendre comme ça. Et là, oh là bien là. Joué de la part de Jasper. Très très bonne décolle de Jasper sur Neo. Et c'est du jungle 4 parce qu'il a fait tomber l'homme avec l'arme en B. Et du coup, tous les VP backup sur ce VPB. Alors ça court à fond. Ils sont 5 à repartir dans cette banane. Et Taz est tout seul. Aucun VP ne backup. Ça c'est dingue. Il y a de la smoke, il y a tout. Et aucun VP n'y va, il n'y a aucune info. Le CTP est parti, les flashs prennent le VPB, les smoke aussi. Et Pacha aura fort à faire, surtout Taz sur ce VP, jamais sur Taz. Il se rushit partout, il traverse un petit peu la smoke, il s'est bien placé grâce à la smoke. Ouais, bon kill de la part de Taz. Le double kill, il se fait revenge derrière par Pronax, c'est du 3 contre 3. Allez les Virtus Pro, on va avoir beaucoup de travail à faire. Oh, bien joué de la part des VP, et il reste, j'espère. Ouais, mais ils savent où il est, donc ça va pouvoir diffuser là. Oh, la smoke fail. Non, c'est bon, c'est bon. Oh, oh non, je te dis, Pacha a raté sa smoke. Il voulait la mettre banane et il s'est auto-smoké, Pacha. Ok. Eh bien, écoute, heureusement que les VP s'en sortent parce que ce qu'il a mis, j'espère, c'est pas autorisé. Un énorme... Oh, il prend pas la WAP, Snax. Ok. Bah écoute, ça joue pas à WAP chez les VP. Parce que Snax était vraiment sur la WAP et il a décidé de pas la prendre. Ok, full rifle. Peut-être que voilà, ils sont décidés de se dire les VP. Bah écoute, je pense qu'on va être meilleur au rifle. Surtout que, voyons. Ouais, pourtant Pacha est deuxième. Deuxième au niveau du scoreboard. Donc je pense qu'il aurait mérité de prendre la WAP. Bon écoute, c'est un choix. Ouais, bah faut voir après, en fonction du setup également. Là, les VP, ils le voulaient pas avec Rims enchaîne sur Snax. Trop facile, la position de Snax était vraiment pas très bonne. Et Rims a eu une très très bonne anticipation derrière. Le premier kill est encore fait du côté des Fnatic qui sont quasiment spock tous les rounds en supériorité numérique. Bah écoute, ouais, effectivement, c'est peut-être le problème des VP. Le premier kill est fait et puis derrière... Mais il n'y a pas de revenge chez les VP. Et c'est peut-être ça qui manque. Taz, qui s'est pris un wall smoke et qui est plus qu'à 53 HP maintenant au niveau de ce BPA. Et ça va encore jouer ce BPA parce que, ben voilà, ça passe. Donc, on continue comme ça. Les Fnatic jouent très bien. Et voilà, ben, je pense qu'ils ont les capacités de mettre un petit 8-7, voire... Enfin, 7 rounds pour les Fnatic, je veux dire. Voir si round, hein. Donc attention, là c'est Bialy qui fait un très bon travail, mais la revenge d'Olof était là. C'est... 2v2, mais ils sont low HP, les Fnatic par contre, ils sont très bien placés.
avec des smokes incroyables, la petite stat track T-Rex de Snax qui est magnifique. Oh Neo, il n'arrive pas à terminer Crims. Il manque, ça manque vraiment de tête côté côté VP. Ils ont fini par l'avoir à lui. Ah, attention, ouais, bien. Mais ils ont vu Olof. C'est du 1 contre 1, Olof a 7 HP, 32 HP contre 7 HP, Neo il va devoir donner sa vie parce qu'il a plus, il a pas le kit. Et c'est... Oh la vache. Mais il a pas le temps. Il a pas le temps tout simplement, il a pas le kit. Ah si, il a le kit. Il a ça passe, ça passe. Pas. Ça passe pas. Boum. Ah, dommage pour les VP, bien joué surtout pour les Fnatic. Ouais. C'était vraiment très très bon. C'est des erreurs des VP là qui font la différence, donc voilà, c'est petit peu dommage. Mais les Fnatic en profitent parfaitement bien et ce middle est très bien pris chez les Fnatic, donc ouais. Et je pense qu'ils vont faire ça tout le temps. Et là c'est de l'économie hein, chez les VP, donc c'est censé donner le 7-5. Mais rappelle-toi tout à l'heure, les VP en économie ont réussi à mettre le round. Je pense que les Fnatic vont pas faire deux fois la même erreur. Et là c'est j'espère qu'il fait l'ouverture au niveau de cette banane. Ouais, tout à fait. Alors je vous rappelle hein, que vous remportez un AWAP Redline sur le Twitter Alkespock. Je vous mets tout de suite le lien sur le chat. Voilà, comme ça vous pourrez remporter votre AWAP. Et c'est exactement le même match que face à Epsilon, les Fnatic profitent juste des erreurs de VP et vont mettre le 5ème round maintenant, tranquillement, face à des VP on va dire un petit peu moins bien, qui alternent le bon et le moins bon. Bah écoute, ouais, c'est vrai que ils étaient solides pendant les 4 premiers rounds ou les 5 premiers rounds et derrière, bah voilà, ils se sont fait remonter. Et là ça fait un petit peu du n'importe quoi, ça arrive pas à prendre cette vodka, votre cul à part. Attention. C'est vrai que Bialy est bien au niveau de ce bac à sable pour prendre l'appartement, mais le problème c'est que maintenant les Fnatic le savent. Bialy prend toujours l'appartement depuis le bac à sable, donc voilà, il faut changer, se mettre à la position de choc ou se mettre vraiment dans l'appartement pour prendre l'info. On va voir où Bialy va se positionner là. Est-ce qu'il va monter? Ah oui, peut-être agression là hein, chez les Fnatic. On voit Snax et Bialy vraiment voilà rusher la. Rocher l'appartement et ça c'est plutôt une bonne idée. Sauf ouais. Que malheureusement il n'y a personne chez les Fnatic. Bah ouais, ils ont pris une bonne agression et avancé en A, mais ça joue le B côté Fnatic parce que ça passe bien en B aussi. Taz et Neo auront du travail, Taz qui a contourné un petit peu le BP. Oh le bon kill de Taz, très très bon kill de Taz. Le double qui passe parce que Taz c'est un petit peu raté, mais c'est quand même du 5v3. Oh la vache. Oh joli, très beau kill de Taz sur Flecha. Il reste Jasper et Olof maintenant. Il y a eu un petit toujours pas hein, qui est parti depuis le début pour Neo. Ah, bon kill de Jasper sur Taz. Si c'est loupé. Il a fait le premier kill Jasper, mais c'est complètement loupé sur le deuxième. Et là maintenant c'est du 3 contre 1. Le round Olof... qui va normalement il a fait passer. Il a fait peur, Olof, hein. il a fait reculer 2 CT en banane et il a pris le premier kill. Je crois que les VP ont un petit peu peur de Olofmeister qui fait du 13-11. Il est bon Olof, il a fait très bonne décale. Au niveau de cette vodka, et on l'a vu, donc voilà, c'est vrai que il fait le travail, Olof. Maintenant, bon, non, voilà, hein. On va peut-être faire un petit point niveau scoreboard vite fait. Hein. 14 kills pour Snax, 12 kills pour Taz, 9 kills pour Bialy et Pacha, et 7 kills pour Neo. 14 kills pour Jasper, 13 kills pour Olof, 7 kills pour Pronax, 5 kills pour Crims, et seulement 1 kill pour Flecha. Et Flecha qui est vraiment hors sujet sur cette map. Ouais, mais pourtant il a fait vraiment un très très bon mirage le chat. Mais là ils ont pas besoin de lui, c'est pour qu'ils ont mis 5 rounds déjà. Ils ont fait le plus dur les Fnatic. Ils vont pouvoir tranquillement terminer, tenter de mettre des petits rounds bonus, pourquoi pas. Aller chercher un. Bah, peut-être un 9-6 à la limite. Et se dire qu'ils partiront avec un round bonus, mais ils ont fait vraiment le plus dur en remportant au moins 5 rounds sur Starside. Et le chat qui est tombé, Neo. Oh la vache! Attention, parce que là, Flecha a 21 HP, 14 HP pour Jasper. Mais tu vois, chez les VP, c'est à peu près la même chose. Hein. Pacha a 29 HP et 18 HP pour Bialy. Une balle, et les deux joueurs meurent. Donc, oh, regarde, c'est bien joué de la part de Pronax. Qui fait, s'infiltre au niveau de cette botte cul oh de, et qui fait le kill sur Pacha. Le 5v3 qui est en train d'être perdu par les VP. Grâce à cette bonne bon rush de la part de Pronax. Ils étaient 4 encore, hein, les Fnatic quelqu'un. Ah oui, pardon. C'est encore 4, ils sont 3 maintenant, 3v2. Ah oui, j'ai pas vu qu'ils étaient pas morts, j'espère. 14 HP. C'est chaud, ils sont très low HP, Bialy aussi, ils sont 2 arrivés banane. Et il n'y a pas d'HE côté VP. Ouais, ça a en pas joué là. La smoke est magnifique, est-ce que Snax a tenté un petit travers? Oh là là! Son visage était un peu plus à gauche, il ne le joue pas! Il ne le joue pas! Bah ils peuvent pas se permettre de le jouer.
Voilà, c'est une balle de 8-6 et ils savent très bien que juste après, c'est le dernier round. Donc, niveau éco, ils sont très très short. Ils sont obligés d'économiser, c'est clair. Bah écoute, bonne initiative et bien joué de la part des Fnatic. Les Fnatic, voilà, qui font plus que le travail maintenant. Et voilà, pourquoi pas mettre un petit 8-7 chez les Fnatic, ça serait vraiment plus que bien. Bah c'est vrai que là les Fnatic ils sont très très bien sur Mirage face au Epsilon. Et là ils sont bien aussi face au Virtus. Ils ont mis un round de plus que le round que le Hearthside le demande. Ils ont mis 6 et ils sont en course pour mettre un 7ème hein, quand on voit l'HADVP, hein, Fab 7 et Mac 7. Rien n'est fait, mais il y a une opportunité pour les Suédois d'aller chercher eh bien, ce 8-7. Derrière 1 GR, 18 et derrière 18 en 17, c'est quasiment terminé. Donc les Fnatic pour l'instant sont très très bien. Les nouvelles recrues Olof Meister font, et Krims font largement leur travail. Surtout Olof sur cette map et Krims sur Mirage. Ouais, mais bon, voilà. Tu changes Flecha pour mettre Schneider, et puis c'est 3 fois mieux. Bref, tant pis pour eux. Là, voilà, toujours du 55. Hein. Gros contrôle map de la part des Fnatic. Ça va rush maintenant ce BPA. Attention, il y a Pacha qui est vraiment au contact et qui se loupe. Dommage. Et en plus, il s'est montré, hein. Il a montré sa position. Il y a ça qu'on pouvait rusher. Ils savent qu'il y a un joueur en votre cul. Ils ont juste à smoker un peu la vodka et agresser la votre cul. Et voilà, ils vont rusher sur un Pacha qui se donne. Oh Mais non, putain. que fait Pacha là au niveau de... Il a vu qu'il y avait trop joueurs et il joue le 1v3. Je comprends pas trop comment ça se passe. Oh, le gros pré-shot de la Oh part de là Pronax. Un peu là. Ouais, il a bizarre. vu l'arme en fait. Il a vu l'arme au moment d'arriver. Et bien écoute, les Fnatic vont mettre ce système round. Les VP ont vraiment du mal sur leur défense, Pacha notamment qui se donne vraiment trop dans le middle. Et là, Snax et Belly auront toute forte affaire. Oh, c'est quasiment fini, ouais. C'est fait maintenant 5-1. Il pourra jamais le faire. Et il tombe maintenant 8-7 en faveur des Virtus Pro. Bien, je ne sais pas quoi te dire, à part que les Fnatic sont très très proches avec un GR B de faire tomber VP et Epsilon la même soirée. On va voir s'ils sont chauds les Fnatic maintenant. Bon, voilà, là les VP peuvent faire la différence aussi au niveau de ce site terroriste. Et voilà, quand tu vois, hein, 8-7 pour les VP, s'ils mettent le gunround, ils peuvent arriver à 11-7. Ça peut être très rapide derrière s'ils gagnent le round d'achat des Fnatic. Voilà, bon, on va voir, hein, on va voir ce qu'ils nous proposent. Les Fnatic ont réussi à mettre cette ronde, donc pourquoi pas les VP. C'est sûr. Alors que Spock, tout à l'heure, il y a eu 2 subscribes pendant que t'étais pas là. Ah, ben Kara merci. et Cyriel. Donc il y aura 2 petites danses à faire à la fin du match. D'accord. On Ben fera le merci break. beaucoup à vous deux. Le break pub comme d'habitude. Et après la petite danse. Ouais, vous aurez des bisous. Donc voilà, plein de bisous et des petites danses. Donc voilà, 2 filles qui rejoignent les subscribers à Alka Spock. Comme quoi, ça c'est classe de devenir subscriber, vous voyez. Vous pouvez draguer des filles après, donc n'hésitez pas à rejoindre le cercle privé pour avoir leur Steam. Je rigole. Et pour l'instant, c'est largement les statiques qui dominent tranquillement. On est en mid-citron dans leur side. Les VP vont pouvoir faire un petit setup, pourquoi pas une petite VP sur le BPA. Ça se prépare en tout cas. On va voir, mais c'est vrai que c'est bien joué là, de la part des Fnatic qui ont un petit peu contré la strat DVP parce qu'ils sont 4 sur ce BPA. Il n'y a qu'un seul joueur au niveau de ce BPB. Et là, chez les VP, eh ben, ça va partir vraiment dans la gueule du loup parce que. Ah, attention. Peut-être qu'ils s'en doutent un petit peu les VP. Ouais, ils sont 4 Fnatic. Est-ce qu'ils vont cancel pour partir en B ou pas? En fait, c'est Pacha qui prend les infos en B. Je pense qu'il attend la fin de la smoke pour prendre l'info et dire, écoutez, on attend le A ou le B. Voilà, Pacha, pour l'instant, travaille un petit peu ce BPB qui bute des poules pour s'occuper. Oh non, il back up. Il back up sans prendre d'infos. Ben voilà, c'est un petit peu l'instinct des VP en se disant ça sent pas bon par là, on va plutôt partir en B. Et Ils ont gardé tout leur stuff. C'est incroyable. ouais, il y a que les Ils ont... Ticoy qui sont partis au niveau de ce BPA. Et là, Krims. Oh, dès qu'il va voir tout ça arriver, il va faire Hey man. Le stuff qui part, Krims qui va regretter d'être tout seul sur ce BP. Attention à la même page de Krims qui drôle. Oh Ouah, il se fait poké il a direct. pris direct un poc. Il a 9 HP. La Et creep ouais. prend n'est toujours pas monstrueux. Et attention quand même à Krims qui peut faire le travail dans cette ruine. Si les VP se donnent, ça se donne pas côté VP. Ça a pas rushé la ruine. Ça joue très très bien côté pawn, n'est-ce pas? Ouais, c'est Pacha qui fait le premier kill maintenant sur Krims. La revenge de Jesper.
Ouais, mais c'est bien joué de la part des VP, voilà, qui vont peut-être remporter. Oh la vache, le tu joues pas de la part de Taz en mode YOLO. Allez, ce serait bien, ça fait plaisir, ça ne te joue pas parce qu'il était vraiment monstrueux. Ouais. Et allez, c'est du 2 contre 2, 2 contre 1 maintenant. Attention, Pronax peut encore le faire, il a le Kevlar. Et non, il se fait calmer maintenant par Taz. 8-7, 9ème round à venir pour les VP. Je pense que les Fnatic peuvent force buy maintenant. Eh ben, Spock, c'est. Enfin, j'ai envie de dire, c'est l'instinct, comme tu as dit, des VP qui les ont sauvés, hein, parce qu'il n'y a eu aucune prise d'info, rien du tout. Et tu l'as dit, ils se sont dit, oula, attendez, il n'y a personne qui s'avance, je vois rien là, rien en bas, ils ont tenté un all-in. Bon, allez, on va faire un all-in en B. Ils n'ont pas mis de stuff hein, pour le fait qu'ils ont tout gardé pour faire un rush B parfait. Et Crims a pris tellement cher que derrière, c'était terminé. Et les Virtus Pro se situent plutôt bien maintenant grâce à ce round d'achat, par contre, 2 PM en terreau, je sais pas si c'est vraiment worth it. Bah, ils ont fait la même chose tout à l'heure en CT, c'est vrai. Donc, ouais. On va voir. Là, il y a des P250, 5-7, DCZ chez les Fnatic. Ça a mis une smoke, ça a faké un petit peu le BPB. Et ça serait bien de rusher sur ce BPB pour Neo parce que pour l'instant, il y a personne. Il y a qu'un seul joueur au niveau de, ouais, de ses bobines. Oh, j'espère qu'il a essayé de mettre quelques touches, mais. Mais voilà, pas trop de dégâts chez les VP. Juste Neo qui s'est pris voilà 30 HP en moins. Et les VP ils sont un peu loin, c'est pas que regarde, ils sont en train de tellement loin que le backup a été fait, ils sont maintenant 4 en B les Fnatic. Les ouais cadeaux. ils sont que deux les Fnatic, les bah, deux autres savent pas trop. Oh tu vois regarde, ça fait le kill du spawn CT maintenant. All of the ruin, 3v2, ils sont au CZ, All of pour le deuxième kill maintenant, il peut récupérer une arme et rusher. Oh dommage. Oh, eh, parce que Taz s'était complètement troué quoi. Eh mais les Fnatic sont bons ce truc, hein. Ils font vraiment de belles choses. Ils sont de plus en plus épatants. Alors on me demande VP Fnatic c'est quelle map? Alors là c'est Inferno. Matou. Alors on est sur Inferno. Donc une vieille map. Une map vieille comme le monde, vieille comme CS. Et en tout cas les Fnatic et B maintenant sont toujours en écho sèche. Pour la balle du 11-7 côté polonais, à moins que les Fnatic refassent peur aux Virtus et mettent peut-être pourquoi pas une économie. Bah écoute, ils ont fait tomber 3 armes, les Fnatic ils ont fait leur taf. Là s'ils refont la même chose, les Virtus Pro seront vraiment très très mal économiquement. Donc voilà, ça c'est bien joué de la part des Fnatic de faire ça, hein, voilà, de décider de ne pas force buy mais de faire tomber 3 armes. Maintenant il va falloir qu'ils continuent et pourquoi pas voilà essayer de. Essayer de remporter le round hein, chez les Fnatic en économie, on a vu que les VP ont été capables de le faire, alors pourquoi pas les Fnatic? C'est sûr. Quoi qu'il se passe, on vous remercie hein, d'être autant à nous suivre, que ce soit sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook ou même sur la chaîne TV Millennium lorsqu'on stream dessus. Merci, merci beaucoup. Oh attention! Le mode tu joues pas là, hein. Oh là, là, là j'ai même pas le temps de finir ma phrase que ça y est, on est déjà parti là sur une action. C'est du 3 contre 2, 2 contre... Ah non, 3 contre 1 maintenant. Voilà, le round va être chez les VP, mais voilà, encore 2 armes de perdu. Hein. Ouais, c'est chaud. Mais c'est pas que quand les statiques auront des armes, ce sera monstrueux. On s'était là, je pense qu'ils vont leur mettre la sauce. Alors, j'ai pas compris, on me dit Alka, qu'est-ce que t'en penses? De quoi, Mike? J'ai pas bien compris. Vous êtes beaucoup à parler sur toi, d'ailleurs, merci beaucoup. On a un chat très animé et très agréable, on a même pas besoin de modérer quoi que ce soit. C'est vous êtes un vrai plaisir de caster pour vous. Par contre, voilà, j'arrive pas trop à lire, donc n'hésitez pas à faire des phrases complètes. Comme ça, dès que j'en chope une, hop, je peux là y répondre. Et là, Fnatic Spock avec 2-1 AWP sur Lofmeister, pas d'AWP sur Jasper. Neo Lof est tellement monstrueux, et voilà, il touche Neo au travers poteau. Ouais, mais ça suffit pas. Et Neo à 19 HP, il peut faire le taf. Donc voilà, bon, ils vont savoir que maintenant la WAP est avancée. Je pense que ça va rediriger au niveau de ce BPA pour essayer de faire l'ouverture. Et ça serait très bien joué. Oula, Bialy qui a pas peur là avec son couteau. Ouais, tu vois la smoke mise chez les Fnatic, c'est bien joué, ça va pouvoir deny pendant 15 secondes voire plus. Il reste une minute de jeu, hein, donc les VP vont pouvoir mettre en place une strat. Ouais, bah apparemment, regarde, on se met un petit peu sur une vue Shift 2. Ils sont en train de préparer. Oh, mais quel génie Shift 2. En train de préparer le stuff, on les voit, la fameuse VP. Par contre, ils se font rusher dans le dos et Pacha, à aucun moment, il se dit tiens, je vais prendre le backup. Il va se faire rusher sûrement par Crims. Allez, la VP qui part maintenant. Les smokes, par contre, sont pas très très bonnes. Ah, c'est une 3-2-B, mais ils ont été totalement denied par la smoke de Flecha. Bon, attention, le premier kill là. Ah, la revenge de Pacha. Et maintenant, il va rusher parce que le BPB est complètement ouvert.
Oh, attention! De ce. Ouais, ils se sont donnés là, les Fnatic, c'est dommage. Heureusement que Olof fait le travail. Olof a la bombe. Mais attention, c'est du 3 contre 2, 3 oh, contre 1. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais ils se donnent trop, les Fnatic! Mais et ça va donner. Heureusement qu'il y a Olof qui fait vraiment le café. Hein. Ouais, mais ça va pas suffire. Il a la WAP et il est encerclé maintenant. Et voilà, il tombe sur les balles de Bialy. Ça passe pour les VP. C'est dommage, parce que les Fnatic, ils ont très très bons joueurs. Et ils ont Flecha. C'est dur, non, on est méchant avec Flecha. Non, c'est un très très bon joueur qui a beaucoup de brain d'habitude. Et là, c'est vrai qu'il passe totalement au travers de sa map. Comme tu me diras, Krims, pas beaucoup mieux pour le coup. Mais il y a de graves erreurs. Et les Fnatic n'ont pas tenté de force buy. Ils refont une grosse écho. Et donc, du coup, les VP ont une balle de 13-7. Les Fnatic se sont un petit peu donné sur ce round. En revanche, regarde encore une fois le bonne agression. Meta sur le travail avec très peu de vie. Pacha sur Krims. Oh, Pacha, arrête de fouler. Regarde ça, Pacha. Il s'est bien prendre par Krims. Quel gros toujours pas de Krims. Néo, le bon kill de Néo. Mais il se donne trop. Il se donne trop, même en économie, les Fnatic. Oh, la Molo qui est parfaite. Il est en train de cramer. Et voilà, il tombe, j'espère. Ouais, mais il visait même pas Snax. Hein. C'est dingue. Hein. Je vais pas dire, mais il visait. Ouais. Il visait Taz, il me semble. Et là, voilà, bon, le 3 contre 1. La bombe qui va pouvoir être posée. C'est faisable parce que regarde, Taz 16 HP, Bialy 46, il arrive par la ruine, il n'y a pas de cover. Il peut pressionner sur Taz, Taz qui a très peu de vie. Non, ouais, c'est bon, ça passe. Et le full qui passe, hein, très bien joué de leur part. Ouais, bah écoute Spock, là les Fnatic sont face sur dos au mur comme on dit. Parce que s'ils le ratent, je pense que derrière il y aura 14-7. Enfin, je pense que derrière ils seront en force vibe parce qu'il y aura 14-7. Ouais. Mais en force vibe, il est un peu dégueulasse hein, parce qu'économiquement, je vois pas ce que tu peux faire avec 100, 300, 950$, c'est vraiment tendu. C'est pour ça, je disais, hein, rien n'est perdu hein, pour les VP, ils sont sur le hard side certes, mais voilà, ils ont une vision du jeu sur Inferno qui est vraiment bonne. Et c'est pour ça que je les mettais favoris. Après, voilà, on en est loin, hein, il reste encore 3 rounds pour qu'ils gagnent. Mais je les mets favoris parce que pour moi, les VP voilà, sont stables depuis pas mal de temps. Oh, j'avais même pas vu! Snax, il a mis sa photo à l'envers. Ah oui. Okay. Pas un bug ça? Ouais, je sais pas. En tout cas, la petite courte qui est intéressante. Et pour l'instant, le joueur des VP n'arrive pas à trouver la cible, c'est Pacha. HE atomique. Eh ben non. Bah écoute, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Là, on voit hein, les VP qui sont bien en place. Encore une smoke mise par Taz. Il va mettre une flash instant. Double flash instant. Et c'est parti. Ils rushent dans la smoke, ils ont pas peur et ça passe hein, parce que voilà, au niveau de cette vodka maintenant, ils sont libres, ils sont trois au niveau de cette vodka, il y a qu'un seul joueur. Le chat qui pour l'instant va faire le travail sur le break. Oh le flash! Là tu joues pas de Néo, tout blanc. Néo! Oh Néo, encore une fois, tu joues pas de Néo! Oh magnifique, quelle ouverture de ce BPA, parfait. Et maintenant c'est du 5 contre 2. Ça va sûrement donner le 14-7 non, pour attends. Les. C'est pas fait parce que Stack va tomber maintenant sur les balles de Crims. Ouais, attention de pas trop zoner maintenant chez les VP. Mais ça économise. Mais pourquoi? Mais parce que niveau économique, ils sont chauds et ils veulent pas laisser le 15, le 15-7. Donc, ils sont full HP, ils sont en 2v3, c'est largement faisable. Ouais, mais ils savent pas. Ils savent pas que. Bah, les potes, ils veulent bien dire je l'ai touché ou pas quand même. Enfin, c'est des joueurs pros, ils savent quand ils ont mis des balles ou quand ils en ont pas mis. Ouais, ouais. Là, je suis vraiment étonné parce qu'en plus, ils vont se faire chasser par les VP donc ils vont perdre le round et peut-être perdre leurs armes. Je ne pense pas que les VP vont laisser économiser deux joueurs. Regarde ça. Ouais, heureusement qu'on l'a fait. Oh là là là. Il n'y a pas eu la revenge. Très bien. Je vous rappelle, hein, vous pouvez remporter toujours votre app Redline. Vous avez jusqu'à lundi après-midi. Vous pouvez en parler à vos amis, etc. Donc, n'hésitez pas à foncer sur le Twitter. Je vous mets tout de suite le lien. Encore un énorme round d'achat côté Fnatic. t'as vu le Moubot, il t'a dit pep Alcalon, pas de lien dans le chat. Ouais, mais il a pas réussi à me censurer. Bah écoute, ouais, 14-7, là c'est quasiment le dernier round chez les Fnatic d'achat. Autrement, ils seront en force buy demain, enfin juste après, et ça sera compliqué. Allez. Et oui. Et n'empêche Alcalon que notre compteur follower sur Twitch ne fait qu'augmenter, donc on vous remercie beaucoup hein. On est maintenant à 1044, ça fait qu'augmenter à chaque journée, donc merci. Voilà, n'hésitez pas vraiment à nous follow sur Twitch, à vous subscribe si vous voulez la petite danse. Pour les dons c'est pareil, on m'a demandé tout à l'heure je peux faire un don, bah bien sûr.
Plutôt que subscribe, tu peux faire un don, tu auras aussi ta petite danse, etc. N'hésitez pas, par contre, à nous prévenir hein, quand vous faites un don. On reçoit un mail, mais on connaît pas les noms et prénoms, donc merci beaucoup à tous ceux. Bah, c'est grâce à vous qu'on est là. Sinon, bah, on serait pas du tout. On n'existerait même pas sans vous. Donc, si on aurait deux viewers, toi et moi. Oui, voilà, on serait deux. On serait des et mes belles baskets. Et ma mère, des fois. Non, je sais qu'elle n'avait jamais regardé. Par contre, toi, Spock, elle aime tous nos likes Facebook. Ouais. Elle arrête toute la journée. Mmh. Bon, en tout cas. C'est jusqu'à TV5. Et les VP repartent sur ce BPB. Regarde où est-ce qu'il est placé. Regarde où est-ce qu'il est la petite fouine de Snacks qui est passée dans ce bac à sable. Ah, mais oh, ils se sont fait rusher par derrière. Oh, quelle erreur de la part des VP là. Ils n'ont pas pris la coupe et ils se font punir bêtement. Voilà, c'est du 4 contre 1 maintenant. Snacks, certes, est passé au niveau de ce bac à sable. Mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Parce que maintenant, c'est du 1 contre 4. Et voilà, il va économiser. Il va maintenant se faire rusher et il va se faire punir par Pronax. Alors, à quand la Pokéball Aspire qui nous sort? Alors, bah, écoute, on est à 19 subscribes. Combien il en faut, Spock? Il nous en faut 25. Et à 25, je mets l'émoticône Pokéball. Donc voilà. Ouais, à 25, on rajoute des émotes, dont la Pokéball. On en débloque 2 ou 3, je pense. Non, un seul. Un seul? Ouais. Ah, bon, on rajoutera la Pokéball. C'est un petit peu compliqué, mais voilà. Plus il y a de subscribe, plus il y aura de Pokémon. C'est pas nous malheureusement, parce que moi j'en aurais mis 10 ou 20. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de quota. Hein. C'est le quota de Twitch, tout simplement. Voilà, exactement. Et alors attention, maintenant, les Fnatic sont dans une très bonne situation. Oh, dommage, Pronax qui passe à un poil de mettre un headshot magnifique. Ouais, mais regardez, ils sont bien les Fnatic, ils ont enfin réussi à bloquer les VP. Les VP qui prenaient beaucoup trop de zones, la banane, le thé, etc. Là, les Fnatic ont changé de jeu. Ils jouent beaucoup plus avancé, beaucoup plus agressif. Les Flusha et Jasper tiennent un peu mieux ce middle. Là, du coup, ça force les VP à partir en banane. Et en banane, il y a Kryn, The Love Master, le duo de LGB, reformé dans cette banane. Et la grosse hache de Néo sur l'offre. Eh ouais, c'est ça le problème. Quand tu prends l'information, là, quand tu prends la micro-ligne, ben derrière, tu fais te punir avec une grenade que tu ne vois même pas arriver parce que, voilà, elle est lancée au-dessus du toit. Et directement tu perds midlife, c'est vrai que ça fait mal. Oh là là, Jasper, quel décalage sur Snacks. La mono de Crims. Oh, double mono en main. Les deux c'était une mono en main. Une seule est partie. Il rush dessus les VP. Et Olof et Crims fin de travail tranquillement. Prendre tous ses vertus. Oh, Flusha, bien joué de la part de Flusha qui, tu vois, n'a pas hésité à rusher dans la smoke. Bon, grâce à une flash aussi, hein, mais voilà, des fois. C'est bien de rusher dans les smokes à des bons timings pour prendre les joueurs à revers et les joueurs ne s'en doutaient pas. Donc attention, les Fnatic qui remontent petit à petit. Voilà, il y a quand même encore 6 rounds. 6 rounds pour les VP pour mettre au minimum le draw, voire remporter le match. Ouais, mais les Fnatic n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Ouais, ils sont très très bien, les Fnatic, ils sont sur les inside en plus. Tu m'aurais dit 14-9 VP, j'aurais dit c'est bâché en CT. En terreau, je pense encore que les Fnatic peuvent aller chercher la victoire. D'ailleurs, assez facilement, parce que les VP, là, ils ne trouvent plus la solution sur les trois derniers rounds. Et la bonne cover de Flusha qui s'est réveillée. Et un Flusha qui se réveille, ça peut faire très très mal. Donc, là, écoute, on espère pour les Fnatic que ça continue comme ça. Et là, c'est Billy qui tombe. Taz aussi. Ouais, un peu facile, hein. Ils sont en économie, les VP. Mais pour l'instant, voilà, les Fnatic ne se donnent pas. Bien joué de la part de Flusha. Et maintenant du 1 contre 5, c'est Pacha qui va essayer de faire le kill peut-être. Au niveau de ce middle, il se fait smoker, il fait un kill, mais la revenge de l'off était là. Donc voilà, 14-10, round d'achat à venir pour les VP. Les VP qui vont peut-être sortir une AWAP. Non, même pas, full rifle. C'est vrai que voilà, moi je te l'avais dit hein, depuis le début, Alcalon, en terroriste, j'aime pas prendre la WAP sur Inferno, parce que voilà, t'es pas... T'as pas de micro-ligne à prendre, même au niveau de la banane, tu peux te faire défoncer sans problème, ouais, au niveau de ce middle aussi. Ça dépend en MM ou en, on va dire, contre une équipe qui joue au skill, sans trop de stuff, c'est faisable en banane ou en mid de prendre le premier kill sur un AWP qui se montre un petit peu. Et après, ça peut bien partir. Après, c'est sûr qu'en termes de redirection, etc., c'est un peu compliqué. Il faut être un AWPer très agressif, un peu comme Kenyes par exemple, qui agresse tes lignes, et là, ça peut être intéressant. Après, Pacha, il est beaucoup plus passif que la WAPer français, donc c'est sûr que c'est pas la même. Ah, bien joué. Jasper, il se fait tellement plaisir, il est monstrueux la WAP. Et les VP n'arrivent pas à exister face à lui. L'agression de Pronax. Oh, la chance. Pokéball, go, c'est parti.
Flechat qui fait le kill maintenant pour la revenge. Double kill de la part de Flechat qui est très solide au niveau de cette vote Q maintenant. C'est du 2 contre 3. Il va mettre une belle flash. Ils sont tout blancs. Oh dommage, il avait plus de balles. Par contre, Krims dans le dos. Prend Snax. Ça joue très bien côté Fnatic. Oh la double flash de Krims. Sur Pacha tout blanc. Qui va se rusher vraiment en vodka. Par Jasper. Et ah, Jasper. Magnifique. Très solide. Les VP en économie. Les Fnatic pour une balle de 14-12 sont en train de déjouer les Polonais pour pourquoi pas remonter à 16-14. Ben écoute, on va voir, hein, pourquoi pas. Voilà, ils sont sur le easy side, les Fnatic, ils ont énormément d'argent maintenant. 10 000 $ pour Krims, voilà. Hein, 8 000 $ pour Jesper, 5 000 pour les autres. Chez les VP par contre, c'est un petit peu la course à l'argent là chez les... Voilà, ils sont encore une fois en économie. La belle double grenade magnifique de la part des Fnatic. J'espère qu'il fait le kill. Attention, l'agression. Mais ils sont 3 sur ce BPB. Donc bien joué. Ouh, attention, un tu joues pas de la part de Snax. Va-t-il en mettre ouais, un deuxième? C'est du 4v2. C'est du 4v2. C'est infaisable pour les VP. Il leur court dessus. Snax, il rate tout. Et Taz en 1v4. C'est très compliqué, quasiment impossible pour le 14-12 du côté des Fnatic. Les VP font vraiment le travail. Ouais. Pardon. Les Fnatic font vraiment le travail depuis quelques rounds. C'est quoi, oh, c'est bon. Ben merci. Ben c'était un subscriber. Ah. Mais ben merci beaucoup à Death and Contest d'avoir subscribe. Ouais. Je te mettrai juste la vidéo juste après parce que. On la mettra 3 fois. Il y a 3 subscribes en retard. Donc on va vous la mettre. On fera la pause pub et juste avant le deuxième match, on vous mettra les vidéos. Merci beaucoup à Death and Contest. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi ça a pas envoyé le... Welcome in LKS Spock Family. Ça a même pas envoyé la musique. Il okay. Y a encore du travail, Spock. Ouais, bah écoutez, je suis arrivé à 19h-5. Bon, un petit peu plus, 19h-10, donc j'ai pas eu le temps de... Ouais, t'arrives vraiment à cette heure-ci. Pour expliquer aux viewers, en général, t'es vers 18h30, on est ouais. Là, t'es quelques retards suite au travail. Je te rajoute tout de suite à la liste des subscribers. Spock, crois-tu au VP? En fait, c'est un petit peu ce round qui va tout délimiter, hein, déterminer si les Fnatic le remportent. Les VP seront encore une fois en économie. Ah, quoique. Ils ont 1000 $, 1300 $. Ouais, mais bon, je vois pas Neo acheter après. Ah, on va voir. Non, en fait, ouais, je crois au VP. Je vais garder mon truc et je crois au VP. Moi j'y crois de moins en moins. Pour l'instant, les Fnatic, je trouve qu'ils sont très très bien. Ils remportent encore un round des 14-14 et après, bon, très facile à mettre le draw. Ils passent au travers de Snax, lol. À travers deux murs, non, j'y crois pas trop. En tout cas, Jasper, pour l'instant, très solide dans l'appartement. Et les VP tentent encore et encore sur la mission 4 en A. En plus, Snax n'a pas vu Pronax. Et voilà, un petit peu naïf le Snaxou. 5v4, les Fnatic vont rusher peut-être dans le dos encore des VP. Des VP bloqués en manque d'aspiration, rush quand même dans ce BPA, pardon, où ils sont 4 les Fnatic. Ouais, effectivement, voilà, les Fnatic s'en doutaient un petit peu, mais attention, les molos, non, la molo n'est pas très très bien placée. Oh, attention, il a fait le tour Pacha, il arrive à faire le premier kill, double kill de la part de Pacha. La revenge de Pronax qui était un petit peu lente parce que voilà, Pacha a réussi à faire un double kill. La bombe qui est posée, c'est du 1 contre 2. Oh non, dommage, Taz ne le fait pas. Taz qui fait le premier kill, il a vu où était le deuxième. Il reste 10 secondes. Et là, il a pas lâché, c'est bien. Attention, Taz. Ouais, on se sur Taz ou Krims? Je suis sur Taz. Ok, alors Taz pour le clutch. La petite flash de Taz. Elle est pas mal, mais c'est un peu auto-flash. Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est un petit peu pour. Voilà, pour attendre le joueur. Dommage, il s'est loupé, Taz. Il se fait pré-shot un petit peu. Attention, il a plus de balles, Krims. Et il fait quand même le kill. Oh là là. Bien joué de la part de Krims. Ouais, il s'est complètement loupé. Il a même pas touché Krims. Krims qui a été touché au début par une HU et après rien du tout. Taz, il s'est auto-flash, il a totalement craqué face à Krims. Krims, tu l'as dit, il avait plus de balles. Incroyable. Alka, on peut payer par Internet Plus. C'est quoi ça, Spock, Internet Plus? Aucune idée. Bah je sais pas. Voilà, t'as ta réponse. Aucune idée. Et quel clutch de Krims, ouais, qui magnifique. Sauve les Fnatic, ouais. Magnifique de Krims. Et ça peut racheter quand même chez les VP parce que... Ça a planté la bombe. Ouais. Ouais, effectivement. Alors attention, la petite flash instant de la part de Krims, pour reprendre un petit peu cette banane. La banane qui a été prise, ça y est. C'est vrai que voilà, les VP arrivent plus à trouver la faille. Pourtant, ça avait très très bien démarré, hein, pour les VP. Ah, et là c'est Jasper qui fait le premier kill, encore une fois, bien joué de la part de Jasper. Je pense qu'ils sont un petit peu naïfs là les VP.
Et ils mettent pas en place de bonnes strats avec voilà des smokes, etc. Donc attention. Attention, attention. C'est peut-être les Fnatic qui vont prendre cette map s'ils remportent ce round. Ouais, bah là les Fnatic, tu l'as dit, en temps d'économique derrière, c'est bâché, je sentais très bien les Fnatic, je sentais les VP un petit peu en dessous sur cette rencontre, on l'a vu sur ce clash de Taz, Taz qui est normalement un très bon clutcher, ne rate jamais ça. Kems qui était un petit peu dans le dur depuis le début de la partie, et bien il sort en magnifique clutch, le chat s'est bien repris aussi, ça explique un petit peu la victoire des Fnatic. Les VP font encore un rush un petit peu obvious en B. Les Fnatic seront 3 voire 4 et Krims va la surtasse tranquillement. Ah, c'est loupé, Krims! Et là, attention! Oh, quelle ouverture! Ouais, mais Olof qui est vraiment intenable. Là, il a plus de balles, il est un petit peu encerclé. Il faut y aller ensemble chez les VP pour essayer de mettre ce round. C'est du 2 contre 3. Oh, le full qui passe pas de Néo. Et il est un petit peu bloqué. Néo, il a plus que 15 balles. Il faut qu'il fasse le kill sur Jasper. Ça y est, c'est fait. Oh, Néo, double kill! C'est du 2 contre 1. Maintenant, attention, la reprise de Flusha qui va avoir énormément de travail. Il sait où est les deux joueurs. Où sont les deux joueurs? Le Ratendo. Oh, et bien c'est bien joué. mis dans le travers smoke. Spock, c'est dingue parce que tu vois les Fnatic solides comme jamais. Et d'un coup, t'as Krims qui a le kill le plus facile, on va dire, qu'il a depuis le début de cette rencontre. Un Tas qui court. Il n'arrive pas à le terminer. Juste il le poke, il n'arrive pas à le conclure. Les VP qui mettent le draw. Mais pour moi, les Fnatic vont accrocher le draw tranquillement. C'est juste une erreur de parcours de la part de Krims. Je Là les sais pas. VP, ouais, franchement, c'est pas que c'est... Enfin, économiquement, les VP pourront pas acheter. Ils sont déjà en 4v5. Je vois Ah, pas les effets. et le gros rush de la part de Jasper, là, il est pas revenge en plus par ses coéquipiers, Pacha, c'est dommage. Et ça donne, voilà, le 5 contre 4 directement. Hein. Attention, la flash de Jasper. Alors Ah, ça, mais il y avait c'est... Tu vois, personne. si, non, oui, mais c'est bien pour prendre l'information pour Nax, il va lui dire go. La flash va tomber directement dans la dans le l'appartement et va pouvoir prendre l'information. Alors là, le choc qui part de Néo. Et personne. Il y a un peu la banane. Les VP qui jouent toujours en fin de round. Très patient. En cas de draw, on rappelle qu'il n'y aura pas d'overtime. Et les Epsilon ont gagné 16-14 face aux USSR. Ouh, Pendant c'était ce temps-là. serré. Donc Ouais. très serré. Et les petits VP Spock sont pas très très bien. Hein. 5v3. Quand ils prennent pas des open kills, les Polonais ils galèrent. Mentalement ils y sont pas. Et là Néo Ouais. va faire tomber Olof, mais derrière il y a Krims. Oh, Oh! attention! Oh C'est Néo! du 3 contre 2 maintenant, hein, mais il y a encore un joueur. Attention, il est trop naïf, Néo! Et bim, il va se faire poker directement par Flusha, bien joué. On va se mettre sur Taz. 1 contre 3, Taz qui peut le faire. Il va se retrouver face à Flusha maintenant. Flusha qui joue bien. Il est 22e joueur. C'est Jasper. Ouh! 9 secondes, c'est terminé. 6, 5, 4, 3, et il se fait. Voilà. Voilà, tué par Très j'espère. bien joué de la part des Fnatic Spock. Eh Ils bien sont vraiment écoute. très très forts. Et la force buy avec rien du tout du côté des VP. Voilà, ce serait un force buy catastrophique. Ils vont devoir rusher, je pense, hein, parce que Attention, il y a Spock. du stuff. Ouais, mais au CZ, prendre des lignes, c'est pas possible parce que tu peux pas pré-shot, tu peux pas travailler, tu perds trop de balles. Donc t'es quasiment obligé de rusher. Je pense qu'ils vont faire un gros rush B, un truc comme ça. Voilà, bah regarde, rush en B. Mais il y a 3 Fnatic qui l'ont anticipé, ça va être une boucherie. En faveur des Fnatic sur cette banane. Voilà ça, premier kill, ils sont très low HP des VP. Krims qui enchaîne, double kill, triple kill de Krims. Ouais, il n'y a même pas le temps de mettre la. Ouais, Et bien voilà, joué. Bah écoutez. 15-15 entre les VP et les Fnatic. Et bah écoutez, les Fnatic sont à un autre niveau maintenant. Ils arrivent à battre les Epsilon et ils arrivent à faire le draw face aux VP. Il faudra se méfier des Fnatic ce week-end parce qu'ils vont être, à mon avis, très très forts. Effectivement, non, là ils ont vraiment géré, voilà, ils ont fait le travail en terreau. En CT, il y avait un petit peu plus de voilà de problèmes, de mais voilà, ils ont fait le draw. Les Virtus Pro, je pense, se sont un petit peu donnés face à Jesper. Donc voilà, il y a quelques erreurs de chaque côté qu'il va falloir régler, je pense, pour ces ESL One. Pour voilà, essayer de remporter Alcalone, hein, tout simplement, les 250 000 euros. Il y a combien? 250 000 dollars, ouais. Dollars. Voilà. Bon, bah écoutez, on va faire une petite pub. En même temps, on va vous. Juste après, on va vous mettre Les petites la danses. petite danse. Donc, restez avec nous pour. Voilà, pour les prochains matchs. Le prochain Bah, match, Alcalone. Navi, Navi, Nostalgie.
Voilà, tout à fait. Donc, voilà. On vous dit à de suite. Gros bisous. Bah, à de suite.